Accrochez-vous dans votre fauteuil, la partie s'annonce très serrée. Ambiance de fête dans le stade, de part et d'autre, les supporters donnent de la voix. J'espère que les joueurs seront au tempo. Il renvoie le ballon au portier. Ederson. La balle change de propriétaire. Ederson. Cette passe peut surprendre la défense. Est-ce qu'il peut frapper ? Bien défendu. Bon retournement de situation, il a le ballon. On attend toujours le premier but, ça va peut-être arriver. Il ne lâche rien et monte vers les buts. Oliech. Une belle passe, pleine. Le ballon est repoussé des points par le gardien. Corner. Il envoie au milieu de la surface. Ce ballon frôle la transversale. Il reprend le ballon maintenant. Joli appel en profondeur sur le côté. Et un but! Quel magnifique départ! Il marque alors que l'on joue depuis moins de 10 minutes. Félicitations! Quelle préparation! Ça, c'est vraiment deux potes. Ils se connaissent très bien. Là, le but, il est à la hauteur de la passe. Encore un but désormais et il passera en tête du classement des buteurs. Il peut le faire car il est dans une forme incroyable. Ils ont ouvert la marque, 1-0. Bon travail et bonne possession du ballon. Le ballon est sorti, touche. Ederson. C'est long et bien joué. Oh non, le deuxième encaissé. Le deuxième encaissé en l'espace de quelques minutes. Il faut rester concentré. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. . 2-0, c'est vraiment une bonne avance. Ils n'ont pas manqué de précision et de talent devant le but. Hein. Et les supporters, on sent qu'ils apprécient. Hein. Mais il ne faut pas qu'ils aient trop de confiance non plus. Hein. Parce qu'un seul but de l'adversaire pourrait changer complètement les données. Kolka. Michal Ziolako.
Le ballon circule, il n'y a pas de problème, mais il faut concrétiser ses mouvements. Zandic. Il lui a piqué le ballon. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Ballon renvoyé en arrière. Zandic. On est parti pour un drôle de contre. La passe a été interceptée. Un gros dégagement qui enlève tout danger. Bonne reprise du défenseur. Cette passe peut surprendre la défense. Le tir est passé tout près du poteau gauche. Il n'y a même pas la place pour passer une allumette. Bien défendu. Zandic. Oliech. Ils peuvent construire quelque chose. C'était dans la surface de réparation et c'était chaud, chaud, chaud. Kolka. Zandic. 15 minutes se sont écoulées. Il y a de la place. Oh, que ça va partir vite. Il va pouvoir marquer. Mamma mia, quel but! Attends, non! Il est hors-jeu, dit l'arbitre. Il était en position de hors-jeu et le but est annulé. Même si l'arbitre du centre est un petit peu en retard, le hors-jeu était vraiment évident. Heureusement qu'il ne s'est pas claqué en fêtant son but. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Il lui a piqué le ballon. Oliech. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Kolka. Nouvelle occasion de centrer. Du pied, dégagement sûr. Le contre, c'est l'arme fatale. Bien joué de la part de la défense. Peut-il marquer? Oh, c'est encore au fond. Il mène 3-0 au cours de cette première mi-temps. Et vu sa position, il n'y a qu'avec le pied droit qui pouvait frapper. Il s'agit de sa deuxième réalisation aujourd'hui. Franchement, il est en pleine confiance, surtout devant le but. À 3-0, ils n'ont même pas l'air de vouloir se relâcher. Là, ils sont rentrés dans le match comme il le fallait, avec détermination depuis le coup d'envoi. Ils ont franchi les arrières du camp adverse assez régulièrement. Si ça continue, ça pourrait se transformer complètement en déroute. Encore une occasion de centrer. Sans danger pour le goal.
Michal Ziolako. Très belle ouverture. Il a mis le pied sur le ballon. Dégagé par le défenseur. Ederson. Il déborde sur l'aile. Le gardien relâche le ballon. Il l'a touché des points, mais ne l'a pas capté vraiment. Corner. En plein cœur de la surface. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Il a dégagé. Le portier est bien présent, il a le bon geste. Zonvic. Et Oliech. Frappe directe. C'est vraiment trop loin du cadre. C'est bien, il faut oser. Quand il y a des défenses renforcées, il faut frapper de loin. Kolka. Il joue derrière la défense. Ils se remettent à attaquer et ils ont bien raison. Il faut vraiment tenter quelque chose pour rester dans le match. Il peut encore avancer. Il est dégagé. La balle change de propriétaire. Attention, c'est parti à 2000 à l'heure. Oh, ça va vite. But, c'est le quatrième. Incroyable, quelle piquette. Pour se retrouver seul face au gardien et le crucifier, il a vraiment fallu qu'il fasse l'appel au bon moment. C'est son hat-trick. 3 buts au cours du même match. Bravo, à mon avis, il peut garder le ballon. Ils sont déchaînés devant le but, 4-0. Sur le plan tactique, c'est pas mal joué. Maintenant, il faut vraiment trouver la solution. Michal Ziolako. Duel remporté par le défenseur. Presque 30 minutes écoulées. Bien servi en profondeur par son partenaire. Oh, la belle claquette. Un autre tir. Oh non. Les filets tremblent à nouveau. Ce n'est pas bon du tout. La défense n'y est plus. C'est une semi-catastrophe. Il n'y a qu'un renard de surface pour marquer un but pareil. Il a senti le coup avant le défenseur et il a marqué le but comme il fallait. Et c'est ficelle. Un hat-trick, c'était déjà merveilleux, mais alors 4 buts, c'est vraiment le Pérou. Et ça en fait 5, on croirait qu'ils sont à l'entraînement. Ah ça, c'est un vrai festival de buts. Hein. On peut dire que c'est le feu d'artifice. Ils ont écrasé complètement la défense adverse. Ah, ils sont capables de marquer maintenant à chaque attaque. Il est temps que l'arbitre arrête la rencontre. Que va-t-il faire? Il a osé. Il est hors jeu, il faut être bien placé sur le terrain.
Bien joué, Planac. Le gardien a dévié la balle, corner. Premier poteau. Corner directement dans les bras du gardien. Minutes à l'horloge dans la première mi-temps. Encore une belle occasion. Ils peuvent construire quelque chose. Il déclenche une frappe. Quel tir! Ça n'échappe pas au gardien. Oliech. Encore une occasion de centrer. Quel coup de casque! Mais oui, c'est au fond, c'est absolument splendide! Oh non! Le drapeau est levé! Ainsi, ce but est refusé. Et il n'a pas eu encore le temps d'aller courir vers le public que l'arbitre avait déjà signalé le hors-jeu. Nous allons voir si les calculs de l'entraîneur sont justes. Superbe interception. Excellente tête. Il va peut-être marquer. Il doit trouver une solution. Il est hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. C'est un ballon gagné. Quand on est spectateur de ce genre de match, c'est un vrai régal. Le ballon circule bien, mais mettez-vous à la place des adversaires. Le goal la bloque. Une frappe à travers la défense. Il va tenter sa chance. Le ballon est détourné. Corner. Ballon brossé vers le but. C'est très mal joué. Trajectoire coupée par le défenseur. Bien joué, l'attaque ne donnera rien. Pour Oliech. C'est le défenseur qui a le dernier mot. Oliech. Bien joué de la part des défenseurs. Ils ont le contrôle total du match et c'est impressionnant. Belle preuve de confiance. Ils sont partis sur l'aile. Il essaie de la tête. Ah là, il n'a pas de chance. C'est si près du but. Tu frappes le poteau, des fois ça rentre, là c'est pas rentré. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer avant la pause.
45 minutes, l'arbitre va siffler la mi-temps. Ederson. Il déborde sur l'aile. Il faut qu'il marque ici. Belle tentative, mais c'est hors du cadre. C'est dommage, il semblait avoir fait le plus difficile, mais je crois que c'est le gardien qui l'a forcé à déjouer sur ce coup-là. Ederson, auteur d'une passe décisive depuis le début du match. Joli appel en profondeur sur le côté. Le portier récupère le ballon. Long ballon en profondeur sur le côté. Bien joué, ça peut faire un contre. Ils ont passé les lignes arrière. Quelle frappe! Un tout petit peu trop haut. Et si la défense dort maintenant, ils n'auront plus rien pour la sieste. Si tu laisses frapper, heureusement que c'est passé à côté. C'est bien de partir en contre. Frappe directe. Directement dans les gants du portier. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. C'est court-circuité. L'attaque a été tuée dans l'œuf. En profondeur et dans le tempo. C'est la fin de la première mi-temps. Aucun rond d'observation. Les équipes se sont mises chiffon. Début de la deuxième mi-temps, les supporters ont toujours le droit de rêver. Il doit tromper le gardien. Ils ont toujours le ballon, la progression continue. Il y a bien en jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Belle interception qui permet de reprendre le contrôle du jeu. Michal Ziolako. Ça s'est futé en profondeur. Oliech. Il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon. Celui-ci circule bien. On va peut-être voir de belles choses. Va-t-il frapper? Interception de la défense. Oliech. C'est une erreur qui aurait pu coûter cher. Heureusement, le défenseur était là. Corner. Il arrive devant le nez du gardien. Attention, ça va revenir. Écarté de la tête. Ça peut être dangereux. Ballon bien dégagé de la tête. Quelle frappe! Et la frappe part complètement à gauche du poteau. Et pour marquer un but dans un angle fermé comme ça, il faut être un magicien.
savent construire quelque chose. Tête plongeante. On est vraiment trop loin du côté droit. Et ça, ça aurait pu être un but fantastique. Avec cette tête plongeante, il aurait pu rentrer avec le ballon dans le but. Attention à ce jeu trop physique, coup franc. Nouvelle occasion de centrer. Il peut marquer. Le hors-jeu est évident. Et le gardien récupère le ballon. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Il peut provoquer le gardien. Ça peut faire mal sur cette rentrée en touche. Le gardien est en danger. Tête magnifique. Oh là 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 là, quelle démonstration. C'est ton corps au fond du filet, c'est bien. Vous avez vu comme il a coupé la trajectoire du ballon au premier poteau. Il a devancé tout le monde et a propulsé le ballon dans le but vide. Ce joueur est irrésistible aujourd'hui. À chaque fois qu'il arrive devant le gardien, il fait mouche. Maintenant qu'ils ont le ballon, ils arrivent un peu à le conserver. Ça peut suffire. Au niveau du jeu, c'est un vrai régal. Le ballon circule vite, les joueurs sont en place. En face, ils vont commencer à souffrir. Encore une belle occasion. Il fait une tête. Cet arrêt réflexe est exceptionnel. Il a osé. Nouvelle occasion, mais ça manque de finition. À mon avis, sur ce coup-là, il va y avoir explication entre le gardien et les défenseurs. Hein. Si tu laisses jouer un joueur comme ça et tu le laisses frapper, heureusement qu'il n'a pas cadré. Kolka. On assiste à des séquences de jeu absolument magnifiques. Ça va peut-être finir par rentrer. Voilà un joli coup de tête. C'est bien de la part des défenseurs. Le couloir, c'est souvent la bonne solution. Joli décalage. Il y a bien hors-jeu, bien vu de la part de l'arbitre. Ederson. En profondeur pour un partenaire. Le gardien peut pousser un ouf de soulagement, mais heureusement, il n'y avait pas de buteur pour mettre la balle au fond. Une solide défense ici. Kolka. Passe en profondeur. Ouais, bien joué. Ils se défendent bien. Nous sommes entrés dans les 30 dernières minutes du match.
dans le gardien. Ederson. Il sort de ses cages et le ballon atterrit directement dans ses mains. Bon retournement de situation, il a le ballon. Ils peuvent construire quelque chose. Belle passe. Il manque vraiment de coordination. C'est une bonne touche. Le gardien est en danger. C'est une super occasion. Oui, encore un but. Voilà, c'est un festival d'occasions et de ballons qui terminent au fond des filets. Quel plaisir. Là, le gardien vient un petit peu de se manquer sur le coup. Mais bon, on va surtout féliciter l'attaquant qui vient de marquer. Il reprend le ballon maintenant. Bien vu. Au-dessus de la défense. Ça n'échappe pas au gardien. Oliech. Une interception au moment crucial et un bon dégagement. Michal Ziolako. Kolka. Zandic. Encore une belle occasion. Et c'est dégagé. Trop loin du but. C'est une belle occasion, sans réussite. Oh, juste au moment où il allait marquer, il a complètement dévissé son tir. Ah, je peux vous dire, le connaissant, qu'il ne va pas être content de lui, et surtout de ses pieds. Quelque chose. Oliech. But ! Mais incroyable ! C'est une véritable piquette à laquelle on assiste. Et avant même de recevoir le ballon, il savait où il allait le mettre avec son pied droit. C'est vraiment son jour. On le sentait bien après le premier but. Ce doublé confirme notre impression. Ce n'est pas très spectaculaire, mais les puristes... Il faut pas y aller comme ça, coup franc. L'arbitre va sortir un carton jaune, c'est justifié. Et le joueur a de la chance, car il pouvait sortir un rouge. Plusieurs options sont disponibles. Ederson. Ils sont partis sur l'aile. La défense est solide. À moi.
il n'y a rien à dire, ils ont mis le pied sur le ballon, celui-ci circule bien, on va peut-être voir de belles choses. Nouvelle occasion de centrer, il a plusieurs solutions. Un long ballon vers l'avant. La menace est écartée. Il s'est bien battu pour récupérer le ballon, mais il l'a perdu à nouveau. Il l'a mal capté. Kolka. Michal Ziolako. Une telle cohésion est assez impressionnante. Ce sont les milieux de terrain qui dictent la cadence. Encore une occasion de centrer. Bien donné. Le gardien a du boulot aujourd'hui. Oliech, qu'est-ce qu'il a bien bloqué le ballon. Oliech, qui a pour le moment deux buts à son actif. La domination est totale, c'est presque de la passe à 10 et on va peut-être voir encore une. Dégagé par le défenseur. Tire de si loin. Il ne trouve pas le moyen de percer cette défense. Il est hors jeu, il faut être bien placé sur le terrain. L'entraîneur procède au premier remplacement de la partie. Là par contre, je ne sais pas si l'entraîneur le sort pour le protéger ou pour être sûr de finir à 11. La cause semble désespérée, plus personne n'y croit. La remontée sera vraiment difficile. Bien joué. Ils peuvent construire quelque chose. Bon centre, mais bien dégagé de la tête. Bonne progression dans ce couloir. Quelle frappe! Le gardien est en forme, ça va être dur. Nouvelle occasion de centrer. Y a-t-il faute? Non, dit l'arbitre. Action dangereuse, il peut marquer. Il tire. Le portier récupère le ballon. Ils écartent bien le jeu. Encore une belle occasion.
Il peut peut-être marquer. Bien joué. Une nouvelle fois bien joué. Ça tourne vraiment à la démonstration aujourd'hui. Dès ses premiers ballons, vous avez vu, il marque un but. Peut-être que l'adversaire, tout simplement, ne l'a pas vu rentrer sur le terrain. Voyons si nous allons constater un effet sur le terrain. Le compte à rebours continue. À moi. Touche. L'entraîneur veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. Un très long ballon. Charge irrégulière, coup franc. Kolka. Le ballon revient au gardien. La défense a récupéré le ballon. Bon, c'était tout près du but, un peu trop à droite. Ah, ça c'est un grand geste. Reprise de volée magnifique. Celle-là, on aurait aimé l'avoir au fond. Ah, faute, l'arbitre doit siffler. Une seule minute d'arrêt de jeu. Ils peuvent construire quelque chose. Tranquille pour le gardien. Fin du match. L'arbitre en a décidé ainsi. C'est terminé. Ils ont assuré l'essentiel. À sa